Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de novembre 2023. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne dans votre vie sentimentale. Les Verseaux pour ce mois de novembre. Novembre, sentimental, Verseau. Novembre, sentimental, Verseau. Novembre, sentimental, Verseau. Novembre, sentimental, Verseau. Ben, je prends les deux. J'ai la force en autre paquet. Et j'ai, waouh, j'ai deux cavaliers. Cavalier d'épée et cavalier de bâton. Ouh là là, mais dis donc, ça bouge. Ok. Le chariot reprend les rênes de sa vie avec le chariot. Mais ça avance. Ah mais clairement, oui, les choses avancent. Ouais, peut-être que vous reprenez les rênes de votre vie. Quelque chose va vite. Trop vite. Oui, il est possible que quelque chose aille vite, trop vite. On est plein d'assurance, plein d'élan, plein de motivation. Vous savez où vous allez et vous y allez avec courage. Ouais. Ouais, c'est possible. Alors, cavalier d'épée, cavalier de bâton, ben, les deux avancent, les deux foncent. Les deux sont déterminés. Alors, homme ou femme, hein, c'est ça. Ouais. Je pense qu'on vous demande... Alors... S'il y a trop d'impulsivité, on peut vous demander de tempérer cette impulsivité. C'est une possibilité, je le dis quand même, avec le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Mais moi, je pense qu'il faut être prêt pour l'aventure. Oui, je pense qu'il faut être prêt pour l'aventure en ce mois de novembre. Il peut y avoir de la passion, du désir, une aventure, de la motivation, du dynamisme. Pourquoi pas un déménagement, parce que c'est une possibilité, donc j'en parle. Mais ouais, c'est ça, ça bouge. Je pense que ça va bouger les Verseaux complètement, ouais, ouais, ouais. Vous êtes totalement orienté vers un objectif. Peut-être que vous prenez une décision une bonne fois pour toutes, pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir à l'aventure. On va regarder pour vous les Verseaux. Allez, Verseaux. On va regarder si vous devez ralentir ou pas. Moi, non, j'en ai trop. Allez, Verseau sentimental. Pour ce mois de novembre 2023. Peut-être que vous venez de rencontrer... Enfin, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un là qui vous donne envie de foncer. Oh chariot et 4 d'épée. Ok. Je vais... Voilà. Verseau, novembre 2023. Hop, hop, hop. Verseau, 2023. Je sais plus, j'ai dit chariot novembre 2023, je sais plus. Verseau. Voilà. Je me concentre, j'arrête de rire comme une bécasse, hein, et on y va. Allez. Hein. Parce qu'au lieu de dire Verseau novembre 2023, j'ai cru que j'avais dit chariot novembre 2023. C'est pour ça que ça me fait rire. Mais bon, c'est débilos. Allez, Verseau sentimental novembre 2023. Verseau sentimental, novembre 2023. Verseau. Verseau, novembre 2023. Ok, j'en ai deux, je prends les deux. Trois de pentacles et la grande prêtresse. Verseau. Verseau, Verseau sentimental. Opa. L'ermite. Verseau sentimental, novembre 2023. Verseau. Elle s'est retournée. Il y en a combien? J'essaie de les récupérer. Hein. Ok. J'ai la reine d'épée et j'ai le 3 de bâton. En d'autres paquets, qu'avons-nous? Nous avons le 6 de coupe. 6 de coupe. 6 de coupe, 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe peut parler du passé. Bien évidemment, une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps ou quelqu'un du passé, une ancienne relation. Quelqu'un du passé qui revient? Ouais, on va voir. Mais il y a quelque chose du passé avec le 6 de coupe, effectivement. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Oh, ok. On fait le deuil de son passé. On fait le deuil de quelque chose du passé. On fait le deuil d'une relation. On fait le deuil d'un projet à deux, qu'on avait à deux. C'est ça, ouais. Ouais, on a des regrets, des remords avec le 5 de coupe. Quelque chose ne s'est pas passé comme on le souhaitait, comme on le voulait. Et ouais, et avec le valet de bâton, c'est cette envie de changement. C'est un nouveau commencement, c'est un valet. Complètement. Ouais. Oui.
L'amour peut être de retour avec le valet de bâton. En tout cas, on vous parle d'aller vers un changement, de faire le deuil de quelque chose et d'aller vers un changement. Ok, on va commencer. J'ai le chariot. Mais on l'avait déjà, le chariot. Mais oui, je me disais, je l'ai vu. Bah, bien évidemment. On a le chariot et on a le 4 d'épée. Chariot et 4 d'épée. Moi, j'ai l'impression que là, vous êtes en train de vous lancer. Ouais, vous êtes en train de vous lancer. J'ai l'impression que vous êtes en train... Bah, vous êtes en train d'avancer, quoi. Ouais, on avance. On est audacieux. Alors, j'ai le 4 d'épée. Donc, effectivement, le chariot parle d'entreprendre, parle d'action, parle de détermination, de faire face aux choses. Ça vous demande d'agir. On s'appuie sur sa force intérieure pour avancer. Mais comme j'ai le 4 d'épée, est-ce que vous êtes pour l'instant, est-ce que vous hésitez à avancer? Ouais. C'est peut-être le bon moment pour faire le point sur votre vie sentimentale, la façon dont vous la dirigez, la façon dont vous voulez la diriger, savoir où vous voulez aller dans votre vie sentimentale, reprendre les rênes et passer à l'action. Peut-être que vous êtes en train de faire le point, en train de réfléchir, voyez, à ce que vous voulez faire, à la direction que vous voulez prendre. Peut-être que vous avez peut-être des choix, une décision à prendre. Parce qu'on peut effectivement, avec le 4 d'épée, s'arrêter, se régénérer, mais c'est aussi le fait de réfléchir. Vous voyez, on réfléchit avec le 3 d'épée, ouais, complètement. Peut-être y réfléchir pour remettre de l'ordre dans ses pensées, peut-être pour y voir plus clair, pour faire le tri dans ses idées. Par rapport à la direction, bah, je vais dire par rapport à la direction que vous voulez prendre dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Ok, ce que vous voulez, vous, c'est le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle. Alors, bien évidemment, c'est le fait de s'aider des autres pour réussir. Le 3 de pentacle. Je vais hésiter. Moi, je pense que vous ne vous laissez pas décourager avec le 3 de pentacle. Peut-être que vous ne voulez plus vous laisser décourager. Peut-être que vous ne voulez plus être submergé par le doute. Vous voyez ? Complètement. Oui. Après, est-ce que vous écoutez l'avis de quelqu'un avec le 3 de pentacle? Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on veut faire mieux, qu'on veut s'améliorer. J'ai cette impression-là. J'ai vraiment cette impression-là. Oui. Ouais. Peut-être que vous êtes en train de reconsidérer certaines choses. Est-ce qu'il y a de nouveaux sentiments qui naissent pour quelqu'un? Après, peut-être que le 3 de pentacle ici dit que vous voulez une relation fun, quelque chose de plus fun. Vous voyez? Ouais. Une relation où les deux partenaires se soutiennent. Peut-être qu'on veut une relation avec une communication honnête, bienveillante aussi. On la recouvrira de toute façon. Votre défi, c'est la grande prêtresse. Ouais. Ça peut parler de solitude, choisie ou subie. Elle peut vous demander, la grande prêtresse ici, d'être moins rigide, de gagner en souplesse, d'être dans l'ouverture. C'est une possibilité, oui. Après, parfois, la grande prêtresse ici peut dire que pour l'instant, on n'obtient pas ce qu'on désire. Il y a encore quelques obstacles. Il peut y avoir encore quelques obstacles, peut-être. Parfois, ça parle de patience. Les choses vont peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. J'aime pas le dire, mais je vais quand même le dire. Mais de toute façon, on la recouvre. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est l'ermite. L'ermite. J'ai envie de vous dire, lancez-vous. C'est contradictoire ce que je suis en train de dire, j'en suis tout à fait consciente. Mais quand je vais recouvrir la grande prêtresse, je pense que voilà. Mais ouais, j'ai envie de vous dire, lancez-vous avec l'ermite. Ne soyez pas si timoré, allez-y, lancez-vous, c'est ce que j'ai envie de dire. Parce que j'ai quand même le cavalier d'épée et le cavalier de bâton qui sont là, vous voyez? Est-ce que la grande prêtresse ici, c'est le fait d'avoir besoin d'écouter votre petite voix intérieure? Est-ce que vous avez du mal à vous connecter à votre intuition?
et que vous devez plus faire attention à ce que, oui, à votre intuition, à vos ressentis. Complètement. Écoutez peut-être, puiser des informations provenant de votre subconscient. Peut-être que vous avez besoin que les choses deviennent plus claires aussi. L'issue de la guidance, c'est la reine d'épée et c'est le 3 de bâton. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle tranche, elle tourne pas autour du pot. Ben, complètement. C'est ça la reine d'épée. La reine d'épée, elle analyse une situation. Vous voyez, elle analyse une situation et elle fait des choix et elle tranche. Je pense que vous devez faire le choix d'aller de l'avant. Je pense que vous allez faire le choix d'aller de l'avant. Ouais, parce que vous allez réfléchir. Réfléchir à certaines choses. Bien évidemment. Vous coupez peut-être de votre passé ou de quelqu'un du passé. Ouais. Peut-être que est-ce que vous avez besoin de liberté? En tout cas, on réfléchit et on analyse une situation avec la reine d'épée. Voilà. On réfléchit, on analyse une situation. Ça peut demander d'être honnête avec vous-même ou avec quelqu'un. Peu importe. Peu importe. Peut-être que vous vous éloignez de quelqu'un. C'est possible. Vous avez besoin de distance. On fait le point sur une situation et on a le courage de prendre des décisions qui sont justes. La reine d'épée prend toujours des décisions justes. Alors, elle ne les prend pas avec ses émotions, elle ne les prend pas avec ses sentiments. Non, 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 non. Elle ne tombe pas dans le sentimental, la reine d'épée, certainement pas. Elle a besoin de cette distance et de cette froideur pour pouvoir trancher. Pour moi, vous faites le choix de vous élancer, de planifier les choses, de vous mettre en mouvement. Vous voyez? Oui. On se projette dans le futur avec le 3 de bâton. On se motive, on se met en mouvement. Peu importe. Vous voyez, on s'élance. C'est ça. Je vais recouvrir des cartes. Pour moi, le 3 de bâton, c'est un progrès qui se fait dans la bonne direction. Voilà, on voit plus loin, on voit plus grand. Moi, je pense que ouais, vous allez prendre la décision d'aller de l'avant. Et vous allez planifier les choses en conséquence. Allez, je vais recouvrir les cartes. On recouvre les deux cavaliers. Tiens donc! 5 de coupe. 5 de coupe. C'est le fait d'aller de l'avant. Ouais, mais c'est très intéressant. Vous voyez, là, on est retenu par quelque chose du passé, par quelqu'un du passé, par une situation peut-être dans laquelle vous êtes depuis un moment. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous vous enlisez. Vous voyez, là maintenant, pour moi, vous devez aller de l'avant, entreprendre, arrêter de agir. Vous voyez, reprendre les rênes et passer à l'action, je vais le répéter, oui, pour avoir la force de vous libérer de quelque chose. Vous voyez, ne vous laissez pas retenir, n'ayez pas peur, arrêtez de vous bloquer, de vous enliser, peu importe. Eh bien, j'ai la carte des amoureux qui parle de choix. De toute façon, la carte des amoureux parle de choix. Faire le choix d'aller de l'avant, faire le choix d'avancer, être déterminé pour avancer, ouais, oui. On vous demande certainement de sortir d'une indécision en ce mois de novembre dans votre vie sentimentale, les Verseaux. Sortir d'une indécision, oui. Il faut vous bouger. C'est un peu ça. Faire le choix de bouger, d'aller de l'avant. Ok, bon, apparemment, vous vous battez, vous, pour aller de l'avant. Avec le 7 de bâton, ouais. Avec le 7 de bâton, enfin, on lutte, on se bat, on lutte. C'est ça le 7 de bâton. On ne lâche pas l'affaire, on est droit dans ses bottes, on ne lâche pas le morceau, on s'affirme, on se défend, on se positionne. Peu importe. Ouais. Vous êtes face à une situation où vous devez vous affirmer avec assurance. Il ne faut pas que cette assurance vous fasse défaut. Oui. Soyez courageux et déterminé. Cette carte, ça vous encourage à poursuivre votre route, à poursuivre votre croissance, malgré les défis qui se présentent. Malgré peut-être certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Tant pis. On ne peut pas plaire à tout le monde.
Je recouvre le 4 d'épée. Ouais, vous êtes dans la réflexion pour moi. Pour moi, vous êtes dans la réflexion. Vous êtes en pleine réflexion. Ouais. Alors, vous êtes peut-être investi dans une relation. Est-ce que cette relation, elle vous satisfait ou pas? Bien évidemment. Mais pour moi, vous êtes en train de réfléchir. Ouais. Complètement. Oui. Je le répète. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous demande du courage. Et on est en train de réfléchir à tout ça. De se poser la question de tout ça. Ouais. Je vais le répéter. Dans quelle direction je vais? Je recouvre le 3 de pentacle. Le pendu. C'est ce que vous voulez. Vous voulez faire des deuils pour repartir dans la bonne direction, je pense, avec cette carte du pendu. Ouais, moi je pense que vous voulez faire des deuils pour repartir dans la bonne direction. Complètement. Oui. Peut-être qu'il y a une relation qui ne vous satisfait pas. Peut-être que vous, encore une fois, que vous n'obtenez pas ce que vous désirez dans une relation, je ne sais pas. Peut-être que vous n'arrivez pas à la faire avancer dans la direction que vous souhaitez. Donc, on fait le deuil de quelque chose et vous voulez repartir dans la bonne direction. Je ne vais pas le dire autrement. Je recouvre la grande prêtresse. J'ai entendu un drôle de bruit. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton dans le défi. Alors effectivement, ça peut demander... Le 6 de bâton dans le défi, ça peut demander d'avoir confiance en soi. Après, alors tout le monde... voilà, il y a des gens qui ont confiance en eux. C'est parfait. Quand on a confiance en soi, généralement, on arrive à faire beaucoup de choses. Mais moi, je pense que vous devez sortir de certains doutes. Avec le 6 de bâton ici. Oui, oui, oui. C'est pour ça que la grande prêtresse ici vous parle d'écouter votre intuition et d'écouter vos ressentis pour sortir de vos doutes. Peut-être que vous doutez d'y arriver. Voyez ? Oui. Ouais. Il faut peut-être, pour certains Verseaux, canaliser votre énergie. Prendre du recul sur un domaine de votre vie, sur votre vie sentimentale. Oui, peut-être pour déterminer plus précisément vos objectifs, les objectifs que vous souhaitez atteindre et mettre en place les choses qui vous conviennent, voyez. Oui. Après, c'est peut-être simplement le fait de reprendre confiance en vous. Mais moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose à planifier, à mettre en place. Quoi qu'il en soit, pour savoir où vous voulez aller, comme avec le chariot. Ouais. Mettre en place les objectifs que vous souhaitez atteindre. Mettre en place une stratégie pour atteindre des objectifs, pardon, waouh. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être à quoi, c'est peut-être que vous êtes en train d'y réfléchir. Ok, j'ai l'ermite et j'ai la lune. Tout à l'heure avec l'ermite, je vous ai dit, lancez-vous, ne soyez pas si timoré, lancez-vous, ouais, bien évidemment. Peut-être qu'avec la carte de la lune, peut-être qu'il y a des choses à clarifier. Est-ce que vous avez besoin de clarifier des choses avant de vous lancer? Ouais, c'est possible, ouais. Est-ce que vous avez besoin de faire un travail sur vous, de plonger au sein de votre inconscient? J'ai quand même l'impression qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas bienveillantes, et je vais quand même le dire. Je vais quand même le dire. J'en remets une. Ah ouais, mais... Ouais. Eh ben... 8 de coupe. Eh ben, 8 de coupe. Voilà. Ce qui vous aide, c'est de partir. Ce qui vous aide, c'est de tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Ce qui vous aide, c'est de vous réorienter. C'est ça. 8 de coupe. On n'est pas heureux, on n'est pas satisfait, on est déçu, on est... Ouais. Ouais. Vous devez vous retirer, prendre du recul. Sortez de votre indécision. Vous devez sortir de votre indécision. C'est vraiment... Ouais. Ouais. On laisse derrière soi quelque chose. Certaines personnes qu'on a aimées, c'est possible. Parce que on n'est pas pleinement heureux. On est vide à l'intérieur. On abandonne quelque chose et on part. Voilà.
Oui, c'est difficile, il y a peut-être des embûches encore qui se dressent sur votre chemin. Mais vous savez que partir, c'est nécessaire. Vous savez que partir, c'est salutaire. Ça va être salutaire pour vous. Voyez? Oui, vous reprenez votre vie avec une autre direction. On peut modifier un état d'être aussi avec le 8 de coupe. Mais quoi qu'il en soit, on part. Parce que quelque chose ne va pas, quelque chose ne va plus, ne répond plus à vos besoins. Les choses ont changé au fil du temps. Pour moi, dans cette guidance, dans votre vie sentimentale, les Verseaux, vous avez besoin de prendre du recul et de réexaminer votre vie. Ouais, complètement, de prendre du recul et de réexaminer votre vie. C'est pour ça que j'ai l'ermite et la carte de la lune. Besoin de faire un travail sur vous. Voyez? Oui. De plonger au sein de votre inconscient. Je vais le répéter. Ben, c'est pas évident de tourner le dos à une partie de sa vie et de partir. C'est compliqué. Y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est pas bonne pour... Il y a une personne autour de vous qui n'est pas bonne pour vous. C'est une possibilité. Donc, ouais, complètement. Je pense qu'il y a vraiment une période de réflexion qui est nécessaire sur vous-même. Peut-être sur ce que vous voulez aussi. Une fin, une transformation, un nettoyage. Oui. Pour moi, il peut y avoir vraiment, dans cette guidance, une renaissance et une transformation en vue pour vous. Ok. Alors, j'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est le combat de coq, hein, le 5 de bâton, hein, c'est ça un peu. Moi, alors, je vais en remettre une, parce qu'avec le 5 de bâton, le 3 de bâton et la reine d'épée, effectivement, ça peut être un conflit, oui, mais ça peut être un conflit interne, en vous, quel choix je fais, voyez? Ouais, après, ouais, ça peut être des disputes, ça peut être des disputes, il y a quelque chose qui vous impacte négativement, ouais. On fait des efforts pour faire avancer les choses. Peut-être que vous devez faire le choix de sortir d'un conflit. Est-ce que vous vous battez aussi peut-être pour obtenir ce que vous souhaitez? Il y a de la volonté de réussir pour moi dans cette guidance. Après, oui, un conflit interne. On pensait savoir ce qu'on voulait dans la vie, ce qu'on aimait, ce qui vous portait, ce qui vous motivait. Mais en fin de compte, là, il y a de la tension et un combat intérieur. Si c'est le cas, vous devez travailler à résoudre ce conflit interne et prendre la meilleure décision, la vôtre. C'est la vôtre, la meilleure décision. C'est pas celle de Pierre, de Paul ou de Jacques. Ne faites pas ce que les autres ont envie que vous fassiez. Faites ce que vous avez envie de faire. Allez, ouais, bon, ok. J'insiste pas parce qu'on revient avec... Vous voyez, les mêmes cartes reviennent. Voilà. Donc j'ai le 4 d'épée qui parle de réflexion. Effectivement. Oui. Oui. Complètement. Oh, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées. Vous avez besoin de calme. Voyez, on se calme, on réfléchit. On regarde les choses avec objectivité, honnêteté, et on tranche, et on fait le choix. Et pour moi, vous allez faire ce choix d'aller de l'avant. Voilà. Ne soyez pas dans l'anxiété ou dans le stress. Ne soyez pas, ne dispersez pas votre énergie. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Voyez? Vous allez prendre des décisions. Mais il faut, c'est comme si vous deviez vous isoler des influences extérieures. Voilà. On se retrouve, sans pression. On se retrouve avec soi-même, sans pression. Peut-être que vous avez besoin de retrouver l'énergie d'aller de l'avant. Voyez, c'est possible. Mais je pense que vous allez être prêt à vous remettre dans la course. On va reconstituer des forces pour avancer. C'est complètement ça. Soyez prêts à affronter certaines choses pour moi. Il y a peut-être encore quelques batailles à livrer, hein, mais
On se prépare pour la suite. On se prépare pour la suite avec le 4 d'épée. Et j'ai le roi de bâton. Faut pas que j'oublie le roi de bâton. J'étais un peu... Parce que j'ai... Parce que derrière ma baie vitrée, j'ai un chat qui n'est pas le mien. Voilà. Pardon. Donc, je ne sais pas qui est ce chat. Enfin, quel est ce chat? À qui il est? Enfin, bon, bref, pas grave. Roi de bâton. Donc, le roi de bâton, il arrête de perdre du temps avec ce qui le mène nulle part. Et le roi de bâton, il est complètement déterminé. C'est ça, le roi de bâton. Il est déterminé. Alors, avec ce roi de bâton, on vous dit que vous pouvez lever des blocages et que vous pouvez vaincre des obstacles dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a une vérité à exprimer. Elle est peut-être douloureuse. Voyez? Mais on peut changer des habitudes, changer des comportements qui desservent. On prend le lead. Voyez? On ne se voit plus comme une victime avec le roi de bâton. Non. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va. Et il prend des décisions. Il a une vision stratégique des choses. Il anticipe et il atteint ses objectifs. C'est ce que vous devez faire dans votre vie sentimentale, bien évidemment. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Verseaux. Verseau sentimental, novembre 2023. Hop! Allez. Eh ben, dis donc, dis donc, dis donc. Alors, j'ai une positive, une négative. En d'autres paquets, j'ai la connexion intime et celle qui est tombée, c'est l'amour au quotidien. Alors, je vais les avancer un peu parce que ça brille et je vois pas grand-chose comme ça brille. Alors, je vais commencer par la négative, adaptée en genre. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Ouais, j'en ai pas l'impression dans cette guidance, mais chacun fait ce qu'il veut. Connexion intime. Avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce qu'en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Pour moi, après voilà, parfois ça peut parler, parfois peut-être que ça ne vous parle pas du tout, hein, les petits messages de la fin. Mais pour moi, de toute façon, pour le mois de novembre, dans votre vie sentimentale, vous avez un choix à faire. Un choix à faire. Vous devez prendre une décision. Vous devez écouter votre cœur. C'est comme si on vous entraînait vers une nouvelle étape dans votre vie sentimentale. Il faut oser vraiment faire et être ce que vous aimez, quelle que soit la vie des autres. Voyez ? Sortez de l'indécision, sortez des conflits, sortez de l'ambiguïté. Il y a peut-être un manque d'indépendance, mais peu importe, il va falloir prendre une décision sans vous laisser influencer par le regard des autres, sans vous laisser influencer par la conséquence de certains choix. Prenez du recul et faites le choix d'oser être vous-même. C'est ça, cette guidance. Peu importe votre situation dans votre vie sentimentale. Voilà. C'est ce choix qui vous permet d'avancer. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite les Verseaux un très beau mois de novembre. Je vous le souhaite plein, plein, plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.